Professeur Didier Raoult, est-ce que le Covid tue toujours autant aujourd'hui? Alors, il faut regarder. Alors, bien sûr, il y a des données sur lesquelles je reviendrai, qui sont des données publiques en France et dans le monde. Mais globalement, la question qui se pose actuellement, et que je crois être très importante, c'est qui meurt du Covid et maintenant en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes les données que je vais vous présenter aujourd'hui, aussi surprenantes qu'elles puissent vous paraître, ne sont que des données qui sont tout à fait officielles. Ce n'est pas les miennes, c'est des données officielles. Premièrement, ça c'est l'INSEE, c'est-à-dire c'est ceux qui surveillent la mortalité. Et donc vous voyez que, y compris par rapport à 2019, il n'y a jamais eu de surmortalité chez les gens de moins de 50 ans. Zéro. Il y en a eu moins de morts, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit. Et là ça c'est les derniers mois, c'est-à-dire depuis juin, vous voyez, il y a eu aucune surmortalité. Et la mortalité va plutôt en descendant, avec la bonne nouvelle, c'est que même chez les plus de 85 ans, grâce, c'est le point positif de la gestion de cette crise, même il y a une diminution chez les plus de 85 ans qui est due au contrôle des EHPAD. Encore une fois, sur les données qu'on a qui ont été entièrement analysées, celles de 2020, la moitié des morts étaient en EHPAD. D'accord, donc c'est eux qui meurent, et c'est pas une donnée qui nous est propre. Là, c'est les données maintenant aussi, les dernières données qui viennent d'Ontario, qui ont un système de veille sanitaire extrêmement intéressant et qui publient leurs données. Et vous voyez ici, ça c'est le nombre de personnes qui sont ici, le nombre de personnes hospitalisées. Vous voyez, le pourcentage de personnes hospitalisées avec les vaccinés et les non-vaccinés. Ça, c'est les vaccinés en bleu et les non-vaccinés en gris. Vous voyez qu'il y a des vaccinés et des non-vaccinés qui sont hospitalisés, qui sont en réa. Donc, des gens qui disent il n'y a pas de vaccinés en réa, il n'y a pas de vaccinés qui sont morts, c'est faux. Nous, je peux vous dire qu'à Marseille, il y a eu 12 morts depuis... un mois, chez les gens de moins de 65 ans, il y en avait la moitié qui avaient reçu au moins deux doses vaccinales. Donc ça ne met pas à l'abri, en particulier les immunodéprimés. Il y a une proportion, et là, effectivement, vous voyez les morts, toujours en Ontario, vous voyez, ce sont toujours les mêmes groupes, c'est-à-dire les plus de 50 ans, et à l'intérieur, bien entendu, dans ces groupes, il y a même si une majorité... n'est pas vacciné. Vous avez des gens aussi qui sont vaccinés. Donc le vaccin offre une protection, mais pas une protection totale. Et je reviendrai. Le vaccin, ça n'est pas magique. Voilà. Le vaccin, ça n'est pas magique du tout. Donc je pense que d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, mais je vais vous remontrer quelques autres éléments à propos de ça. Le vaccin a-t-il un effet au niveau des individus ou bien au niveau de l'épidémie ? Alors, au niveau des individus, comme je vous l'ai montré, on a l'impression, avant le Omicron dont je vais reparler, qu'il y a une protection vis-à-vis de l'hospitalisation en réa et la mort. Elle n'est pas totale, et donc ceux qui disent qu'elle est totale font de la propagande, ce n'est pas de la réalité. Je vous l'ai dit, les données ne sont pas ça. Il y a une protection, nous on a évalué que cette protection était à 50%, je pense que c'était raisonnable jusqu'à Omicron. Le problème de Omicron, c'est qu'il n'y a pas ou extrêmement peu de réanimation et pas de mort. Pour les premières études qui sont sorties. Donc c'est difficile de protéger contre la mort si on ne meurt plus du tout quand même. Donc c'est un discours. Je reviendrai sur cette question de la propagande versus l'information. Mais c'est pas réel. Ce qu'on voit actuellement, nous, alors ça, c'est nos données, là. Ce qu'on voit, nous, c'est que maintenant, vous voyez, le taux de protection chez les gens qui se présentent, c'est nous. Et donc, ici, entre 800 et 900 personnes, eh bien, le pourcentage de positifs est comparable chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Donc, avec cette épidémie d'Omicron, on voit pas... avec le biais que représente, bien sûr, le fait des gens qui viennent se faire prélever ici, enfin, ça fait beaucoup, ça représente une proportion importante, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative pour les gens qui se présentent entre le nombre de positifs, qui est aux alentours de 30%
chez les vaccinés comme chez les non-vaccinés. Donc pour ce virus-là, et encore une fois, je répète, les virus ne sont pas des objets inertes, hein, c'est des choses qui sont différentes les unes des autres, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait des différences entre les uns et les autres. Alors ce tableau est un tableau un peu compliqué, mais c'est un tableau qui est intéressant parce qu'il montre la proportion des gens vaccinés en fonction du variant. Nous on analyse tous les variants des gens qui sont ici. On fait ça depuis le début. On était les premiers à faire ça et même à dire qu'il existait des variants. Il a fallu, c'est 3 mois après qu'on ait commencé, nous, à parler des variants, et ici même, sur notre chaîne, que le reste du monde s'est rendu compte qu'il y avait des variants. Jusque-là, personne n'en s'est rendu compte. Il y a même des gens qui disaient que les variants n'existaient pas, ce qui est quand même une méconnaissance de la virologie qui laisse pantois, qui montre l'état de ce pays sur la connaissance. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion sur tout, mais tout ça manque beaucoup de virologues, parce qu'un virologue normal ne dit pas que les virus ARN ne mutent pas et qu'il n'y a pas de variants. C'est un déni de connaissance qui laisse pantois, quoi, hein, quand on a la grippe tous les ans, quand on a, enfin, c'est que cette histoire, hein, quand on a travaillé sur les virus ARN, on ne peut pas penser qu'ils ne passent pas leur temps à muter et à créer des sous-variants. Enfin, ça n'est pas sérieux. Voilà. Donc, cette analyse de ce qui s'est passé, ça montre que tout ça n'est pas sérieux, ça manque de connaissance. Et comme il y a une hostilité vis-à-vis de ceux qui sont connaissants, c'est-à-dire nous, bien, on est dans une difficulté considérable. Mais en tout cas, vous voyez ici, c'est très spectaculaire. Alors, celui qui sévissait le plus en décembre, janvier l'année dernière, c'était Marseille 4, mais il n'y avait pas de vaccin, donc il y avait zéro vaccin. Après, on a commencé à vacciner, mais c'était la fin de l'alpha, ou ce qu'on appelle l'alpha maintenant, que nous, on appelait Yuka. Mais vous voyez déjà, au niveau du delta, il y avait 1600 cas chez les vaccinés contre 5000 chez des non-vaccinés. Donc déjà, on voit qu'il y avait une proportion non négligeable, à peu près, vous voyez, un peu plus de 20%, 20-25%, un quart des gens qui étaient diagnostiqués ici, qui étaient vaccinés. Et là, quand on est au micron, on arrive là progressivement à la moitié à peu près, ou un peu moins, 40% des gens qui sont positifs ici, qui sont vaccinés. Donc on voit que la protection vis-à-vis de Delta n'était pas exceptionnelle, mais vis-à-vis de Omicron, elle est encore moins bonne. Et les cas sont aussi symptomatiques chez les vaccinés que les non-vaccinés. C'est la même proportion. Les 2/3 des gens qui sont diagnostiqués ici, hein, et qui ont un Omicron vacciné ou pas vacciné, sont symptomatiques. Et les charges virales, c'est-à-dire le nombre de virus qu'ils portent, est aussi important qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés. Donc l'idée que quelqu'un qui est vacciné et positif est moins dangereux que quelqu'un qui n'est pas vacciné et pas positif relève du conte de fées. Ouais. C'est pas vrai. Il y avait plus de virus chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés quand ils étaient positifs. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez vraiment éviter la contagion, il faut éviter que les gens soient porteurs de virus. Si c'est pas le vaccin, et de moins en moins, qui vous met à l'abri du portage du virus. Donc il faut arrêter de fantasmer, si vous voulez, sur le vaccin. Et globalement, je vais vous dire une chose sur laquelle je vais revenir. Il faut pas confondre le vaccin comme une partie de la connaissance scientifique et le vaccin comme une religion. Quelle est cette différence entre justement le vaccin religion et le vaccin science ? Mais quand on dit qu'on est pour les vaccins, on est rentré déjà dans la religion. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être pour tous les vaccins, quels qu'ils soient. Par exemple, dans le vaccin pour le Covid, il y en a 5, 6, 7 différents qui ont des activités différentes, des risques différents, on voit bien d'ailleurs. Il ne fallait pas le dire, et même maintenant, je ne sais pas s'il faut le dire, mais enfin, il y en a qu'on a arrêté parce qu'ils représentaient des dangers chez les jeunes, en particulier AstraZeneca et Janssen, qui faisaient des thromboses, des veines cérébrales, avec des gens qui devenaient aveugles. Donc, vous ne pouvez pas dire « je suis pour les vaccins ». Je vous dis, attends, il y a certains vaccins qui n'ont pas d'effet secondaire embêtant, et il y en a qui ont des effets secondaires embêtants. Deuxièmement, il y a des vaccins qui n'ont pas d'utilité dans l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont des maladies qui sont locales. Pour les maladies qui sont locales, c'est important de se vacciner si vous y allez.
il ne faut pas le faire si vous n'y allez pas. Ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas le vaccin qui est bien. Le premier vaccin, était un vaccin qui était extrêmement mal toléré, pour lequel il y avait énormément de problèmes. Et donc, il a été arrêté quand il n'y a pas eu de variole, parce qu'il n'y en a plus depuis 1974. C'est un vaccin qu'il ne faut pas faire. Il y avait une grande discussion à laquelle j'ai participé au moment de la suspicion du bioterrorisme, où la CIA faisait croire que Saddam Hussein avait ressorti le virus de la variole et qu'il y avait des modélisateurs de John Hopkins, justement, qui avaient fait un film qui s'appelle Dark Winter, où il disait qu'il allait y avoir des millions de morts. Les Américains, de la même manière qu'ils ont fait la propagande pour le charbon, ont fait la propagande pour le risque de variole. Ils sont allés jusqu'à vacciner à leur propre personnel et on a découvert une maladie qu'on connaissait pas du tout avec la vaccine, qui était les myocardites. Et celui qui a le plus travaillé là-dessus, qui s'appelle Weinstein aux États-Unis, a estimé qu'il y avait 100 jeunes militaires qui étaient morts de la vaccine. Pour un fantasme, hein, quand même. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est pas univoque. Et ça, la différence entre la religion et une théorie scientifique, ça a été très, très bien expliqué par le plus grand épistémologiste, c'est-à-dire, l'épistémologie, c'est l'histoire des sciences, et bien entendu, on ne peut pas comprendre la science si on ne comprend pas les erreurs de la science, on ne comprend pas l'analyse historique de la science. Moi, j'ai fait des cours d'épistémologie pendant 20 ans dans ma vie. Et le maître, le premier grand maître de l'épistémologie, c'est Karl Popper. Et un des éléments pour lequel il est le plus connu, c'est ce qui différencie la religion d'une théorie scientifique, c'est la falsifiabilité, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de vous faire changer de théorie ou changer d'opinion ? Si rien, si ça n'est pas falsifiable, si vous n'êtes pas capable de voir que c'est faux, eh bien vous êtes sorti de la science pour rentrer dans la religion. Donc le fait de résumer les positions vis-à-vis de la stratégie vaccinale, vis-à-vis du Covid-19 dans certaines situations, sans plus regarder les données, ça veut dire qu'on a basculé sur un côté religieux qu'on voit dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, on voit dans plusieurs domaines une religion qui s'empare de phénomènes pour lesquels on est prêt à brûler les hérétiques. Hein, là, ça s'est déjà fait, là on voit. Vous voyez, on maudit ceux qui ne sont pas d'accord, on maudit ceux qui ne vous obéissent pas, sans que, on va le voir, il y ait de données scientifiques qui justifient d'avoir un tel développement de haine qu'on voit que dans les religions. Quand on parle de science, on ne doit pas manier la haine à ce point-là. Enfin, il ne faut pas le faire. Donc tout le discours haineux que l'on entend là, qui sont tous du même côté, hein, je sais ce qui est bon pour vous, vous devez le faire. Eh bien, ça veut dire que ces gens ont basculé dans l'idéologie, ont abandonné la connaissance qui change, qui évolue avec le temps, qui évolue et dont on doit tenir compte. Et alors là, effectivement, pour la vaccination, j'ai dit il y a plusieurs mois, je ne comprends rien à cette épidémie, à ces rebonds. Je ne comprends rien. Alors il y a une partie maintenant que je commence à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer. Quand ce vaccin a été testé, et depuis, tous ou pratiquement tous les travaux qui sont publiés reprennent cette donnée, qui est de dire on ne va pas compter ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination, parce que les gens ne sont pas protégés. D'accord. Et donc on ne regarde pas. Et puis, nous, on avait vu que, tiens, il y a beaucoup de cas qui surviennent justement après les injections. Mais cela, si vous les enlevez, vous enlevez une partie de l'information qui est très importante. Donc c'est une information que, par exemple, Pfizer n'a jamais donnée sur ce qui se passait dans les 15 jours après la vaccination en termes de Covid. Et puis, il y a eu un papier qui est sorti dans New England qui est très ignoré, mais nous on l'avait vu parce qu'on était en train d'écrire le même et on s'est fait scouper. Donc, ils ont publié avant nous, c'est les gens de Stanford qui regardaient le personnel de soins et qui disaient, attendez, dans les 15 premiers jours après la vaccination, il y a beaucoup de Covid. Hein. Alors, ils ont fait ensuite un deuxième papier en disant, alors, il y a deux moments, comme j'ai pu le présenter ici, un moment dans les 15 jours, 3 semaines après la vaccination, et puis 3 mois après, on était parce que le vaccin ne marche plus. Alors, nous, maintenant, on commence à comprendre qu'il y a une explication, c'est probablement des anticorps facilitants qu'il y a au début, et donc, ça veut dire que si ce que l'on pense est vrai,
Ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors, toute cette partie-là, là, l'énorme partie en bleu, celle-là, ils sont très honnêtes, hein, ils les mettent, mais ils disent après dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire, tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid, peu de quelques jours, une semaine, 10 jours après une injection. Et donc, pour des raisons X ou Y, on a des pistes qu'on est en train d'explorer, sur lesquelles on a des résultats préliminaires très intéressants, qui montrent que, effectivement, les injections sont suivies très communément d'un Covid documenté. D'accord ? Et donc, ça, au niveau épidémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, là aussi, je vous dis, je regarde, et tout le monde peut regarder, là aussi, hein, il suffit de marquer Ontario vaccinate de Covid. Et là, on peut regarder sur Johns Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier, vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Bon, je ne sais pas s'il y en a moins. Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc, on ne peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. Ce n'est pas vrai. Si on ne veut pas voir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on refuse de regarder les choses. Si on regarde précisément, vous regardez... Après, vous pouvez cocher sur chacun des pays et regarder ce qui se passe. Alors, là, par exemple, eh bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bien parce que c'est ceux qui sont les plus acharnés là sur le vaccin. Et s'ils sont les plus acharnés, c'est parce que c'est une réaction paradoxale. Ils y croient tellement, ils ont tellement forcé les gens à se vacciner qu'il n'y avait pas de cas. Hein, vous voyez, c'est les cas, il n'y en avait pas. Ils ont fait une campagne vaccinale massive et depuis qu'ils ont fait cette campagne massive, ils ont eu... Vous voyez, il faut regarder cette colonne-là, là, c'est les 28 jours. Donc en un mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui représente 80% des cas qu'ils ont depuis le début de l'épidémie. Et ça, c'est ce qui suit leur énorme campagne vaccinale sur laquelle ils ont fait 44 millions d'injections. Donc ça, il faut vous réveiller un peu. Si vous regardez ça et que vous croyez que ça marche, vous avez un problème, hein. Donc au moins, vous avez le droit d'avoir du doute quand même. Vous n'allez pas dire, écoutez, c'est tous les fous qui ne se vaccinent pas qui foutent les épidémies. Là. Ou bien alors, c'est pas vrai pour l'Australie, ça. Mais généralement, la science, c'est partageable. Alors vous pouvez regarder, par exemple, la Corée du Sud, vous voyez, c'est pareil, ils étaient assez tranquilles. Ils ont commencé à vacciner, ils ont vacciné massivement. Hein, vous voyez, ils ont utilisé 108 millions de doses, vous voyez. Et là, ils sont à un point... où ils n'ont jamais eu autant de cas. Vous voyez ? Et là, ça représente à peu près 25% des cas depuis le début de l'épidémie, alors que la Corée était un modèle. Voilà, c'était un modèle, et puis pouf, ils vaccinent, et d'un coup, ils se retrouvent avec une épidémie absolument considérable. Vous regardez maintenant Singapour. Singapour, c'est pareil, ouais, il n'y avait pas de morts, ils étaient tranquilles, pas de cas, ils étaient tranquilles. Ils font une campagne vaccinale, et avec la campagne vaccinale, ils sont juste à la fin de la campagne vaccinale, là, bah, ils se retrouvent avec une épidémie, un nombre de morts absolument considérable. Regardez le Danemark, moi je citais souvent le Danemark jusque-là, mais moi je n'ai pas peur de changer mon opinion. Jusque-là, je trouvais que le Danemark, c'était les gens qui avaient bien géré l'épidémie, avec relativement peu de morts, hein, les échelles ne sont pas les mêmes, bien sûr. Et puis, hop, on commence une grande campagne vaccinale, et là, le Danemark se retrouve avec un nombre là, le nombre de cas qu'ils ont eu depuis un mois, ça représente la moitié des cas qu'ils ont eu depuis le début de l'épidémie, juste après les campagnes vaccinales. D'accord ? Là, si vous regardez la France, vous voyez le nombre... De doses vaccinales qui ont été faites dans le dernier mois, c'est 15 millions de doses vaccinales. Et le nombre de cas, c'est 380 000 cas, c'est-à-dire 25% des cas qu'on a eu depuis le début de l'épidémie. Donc, dire que les stratégies vaccinales dans le monde ont permis d'avoir un contrôle de la maladie, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais attendez, c'est peut-être passé la même chose partout. Non, pas du tout.
on est en train de faire un travail, c'est dans les pays dans lesquels il y a eu le moins de vaccination ou le pays dans lequel on a le plus utilisé les vaccins inactivés, dans lequel il y a le moins de cas, mais de manière extrêmement significative. Donc, les vaccins là que l'on a, ARN et ADN, n'ont pas permis du tout le contrôle de la maladie, ont peut-être joué un rôle sur sa sévérité, mais dans une maladie qui ne s'avère pas très très sévère, on se demande ce que ça fait, mais en tout cas, ça ne justifie pas qu'on menace les gens, ni qu'on les insulte, ni qu'on les empêche de vivre, en tout cas. Donc là aussi, l'intelligence, en particulier face à des maladies inconnues, à des vaccins inconnus, parce qu'on n'avait jamais fait ce type de vaccin. Puis les vaccins sur les maladies ARN, en général, vous savez, c'est pas très splendide. Hein. Vous n'avez qu'à regarder la grippe. Tous les ans, on est obligé de faire un réaménagement. Ça protège qu'une partie. Le taux de vaccination se situe entre 50 et 70%, en particulier chez les sujets les plus âgés, qui sont les plus à risque. Donc on sait bien qu'on a des problèmes avec ça. Et là, les temps d'évaluation plus le fait de négliger complètement, parce qu'on ne savait pas, on savait, le seul point qu'on savait, c'était pour la dengue. On savait que si on vaccinait les gens pour la dengue, maintenant on ne vaccine les gens contre la dengue que les gens qui ont déjà eu la dengue. C'est quelque chose qu'il faudra sûrement évaluer pour le Covid. Pourquoi ? Parce que il y a des anticorps facilitants après la vaccination. Et donc, si vous êtes exposé à la dengue, et que vous faites une dengue alors que vous avez été vacciné, vous faites une forme beaucoup plus sévère que si vous n'êtes pas vacciné. Donc, le vaccin tue plus les gens qui vont faire une dengue, si vous n'avez pas déjà eu de dengue, que les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, maintenant, vous pouvez regarder ça sur n'importe quel site, l'OMS, on ne recommande le vaccin chez les enfants que chez ceux qui ont déjà fait une dengue. Parce que sinon, ils risquent de faire des formes plus graves. Ça fait 2 ans qu'on a plus de poliomyélite vaccinale, c'est-à-dire qu'on induit des poliomyélites qu'il n'y a de poliomyélite naturelle. On a réintroduit avec des vaccins vivants, là c'est l'inverse de ce qu'on fait là maintenant, on a réintroduit dans des continents dans lesquels ça avait disparu depuis 30 ou 40 ans de la poliomyélite à cause des vaccins. Donc ça veut dire, c'est pas tous les vaccins qu'il faut arrêter, ça veut dire qu'il y a des vaccins qui marchent très bien, il y en a y compris qui ne sont pas remboursés en France, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui sont dangereux, c'est comme ça, c'est pas une baguette magique. Donc c'est la connaissance qui doit nous obliger à changer d'hypothèse. Et si on n'est pas capable de changer d'hypothèse, c'est qu'on a basculé dans la religion. Voilà. Merci.